1700 mètres carrés de typha suffisent à produire une tonne de charbon. Cette innovation a quatre intérêts. La coupe du typha permet un retour aux activités à la normale et un retour de la biodiversité. La fabrication et la vente du charbon de typha créent des activités qui génèrent des revenus complémentaires. Le charbon de typha fournit de l'énergie à des villages sans électricité. Le défi de cette ressource locale et renouvelable est d'envahir à son tour les berges du Sénégal. Projeto Novo Ciclo ele é resultado de uma caminhada organizativa dos catadores do sul de Minas, com o apoio do INSEA, do Movimento Nacional de Catadores e da Danone. Hoje o projeto atende diariamente 1 milhão e 200 mil pessoas através dos programas de coleta seletiva, implementado nos 23 municípios do sul de Minas, em que o projeto acontece. E a Danone, juntamente com o INSEA, trabalharam juntos e se uniram para nos formalizar, para nos ensinar como gerir o nosso empreendimento. We wanted to bring in our risk expertise as a global insurer to help customers and communities reduce the devastating impact of flooding. We formed an alliance of partner organizations that can support our program with academic insights and community development capabilities. Over 5 years, the Zed Zurich Foundation will invest $35 million in the program. Work is ongoing in Mexico and Indonesia, countries that are exposed to severe flood hazards and where Zurich and the Red Cross have a strong presence. Passeport Avenir, c'est une association qui a été créée en 2006. Son objectif, c'est d'aider des jeunes issus de milieux populaires à rentrer dans les filières d'excellence de l'enseignement supérieur, que ce soit des grandes écoles ou des universités. L'objectif, c'est de faire des exemples de réussite avec des jeunes issus de la diversité sociale du pays. Souvent, ces jeunes ont autour d'eux un environnement familial qui fait qu'ils ont du mal à se projeter vers les grandes écoles et vers le monde de l'entreprise. Et là, ils sont mis en relation avec des salariés d'entreprises prestigieuses qui leur consacrent du temps. Actividad. Un programa sostenible y de largo recorrido con compromisos concretos. Se espera crear 54 empleos. Se formará a cerca de 200 cuidadores. Llegaremos a alrededor de 300 residencias y 4.510 beneficiarios semanales. Un 100% de los participantes recibirán valoración nutricional. Todo ello con un objetivo concreto: mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Activida, un programa de colaboración entre Nutricia España y Ciel Bleu con la financiación del Fondo Danone Ecosystem. Le projet que nous présentons aujourd'hui à Convergence, c'est un partenariat donc entre les PIMS, qui sont des associations, et l'entreprise EDF pour permettre de faciliter l'accès à l'énergie aux populations sur des territoires parfois compliqués. Alors, la particularité pour nous, c'est que bon, EDF a 25 millions de clients, mais dans ces clients, on a des personnes qui sont en difficulté par rapport à leur facture d'énergie. Et notre volonté, c'est de ne pas les traiter comme les autres, de ne pas les amener dans des sociétés de recouvrement, mais plutôt d'avoir une relation de proximité, une écoute, une formation, un bon geste. Et ça, c'est ce que les PIMS savent faire. En France, chaque année, les entreprises sont contraintes de sortir des circuits commerciaux, voire de détruire au moins 400 millions d'euros de produits, alors que dans le même temps, il y a 8,7 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est vraiment une manière de donner une seconde vie utile à nos produits dans l'intérêt de la société avec un grand S. Créer une passerelle entre les entreprises et les associations de lutte contre l'exclusion pour pouvoir redonner ces produits neufs non alimentaires aux plus démunis.